Ah purée, il y a le fantôme aussi, j'avais oublié. Ok, bah, ça m'avance à rien. Je t'ai pas vu depuis le début, avec la disparition de la brume, la zone maudite s'est évanouie. Tout le monde est ravi à ça, mais on ne peut pas dire que les affaires marchent. Si tu as été envoyé pour faire les courses, ne te gêne pas. 7 châtiments. Un glaive à 7 tranchants utilise la technique de myriade d'encre. Ah, compte, ça coûte cher. Hein. Ça coûte très très cher. Je savais pas que le jeu il demandait à ce point de farmer. Aïe. Charme de purification. Ah, j'ai toujours pas trouvé ce voleur à la noix. Ah mais du coup le motif il se retrouve ici, purée. Ah c'est pas ce que je voulais, bon c'est pas grave. Ouais, c'est juste pour changer le motif en fait, donc c'est pas ouf. Bientôt les cerisiers vont de nouveau fleurir. Je crois que c'était le dernier qui me manquait. Oh, le nombre d'objets que j'ai. En vrai, je devrais les vendre, hein. Ça me permettrait peut-être d'avoir ce qu'il faut. Bon, ce serait bien de savoir comment on pourrait arrêter ce voleur. Hein. Quelque part aux alentours. Visiblement, j'ai fait toute la zone et il n'est pas là. Oh. Est-ce que j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba? Là il y a quand même plein de trésors quoi, donc Ah.
Qu'est-ce que ce tatami jeté en bas? Cette vieille paille dégage une sacrée odeur. Purée, mais par contre, tout ce que j'ai trouvé là, c'est... Un fragment. En fait, visiblement, il n'y avait rien. C'est un peu décevant. Enfin, non, c'est pas décevant dans le sens où on a trouvé plein de trucs, mais... Rien de plus. Ah, je me demande vraiment où il se cache. Hein. C'est le jour, tant pis. On va aller voir le papy. Ah. Non. Il reste un arbre. Oh non, lequel j'ai loupé. Et ce satané arbre que j'ai loupé. Ça, c'est un arbre... C'est un arbre à esprit malin, donc c'est pas ça. Ah, ça m'énerve. C'est ça, le truc, c'est que quand t'es un peu complétionniste, c'est un peu chiant de perdre un peu son temps là-dedans, quoi.
pas un chiant pour ceux qui regardent, en l'occurrence. C'est plus malin, on sent pas les steppes. Si je reviens ici le jour, il se passe quoi? Pas d'arbre visiblement. On sait jamais, hein, il y avait bien un arbre à l'intérieur, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait un arbre au final. Ah mais du coup il faudrait peut-être que je fouille aussi dans les autres bâtiments. Pas d'arbre ici non plus. Midi est si relaxant, je veux dire que tout est prêt. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre les clients. Salut le chiot, semble être une fine bouche. Un régime sain est la clé pour bien vivre. Bien manger, c'est la santé. Je suis Yamaneko, chef cuisinier de CERN, ravi de te rencontrer. Que tu penses de ce pot énorme sur cet immense poêle? Poêle. Impressionnant, hein? J'ai investi jusqu'au dernier sou là-dedans. J'ai dû tout commander sur mesure pour ce que je projette de faire. Tu as déjà entendu parler de l'histoire de ce champignon? Il n'y a pas un seul chef au monde qui ignore cette histoire. Je veux bien sûr parler du légendaire champignon d'or. J'ai passé des lustres à essayer de maîtriser les arts culinaires, mais il me reste encore à faire le plat qui me satisfera vraiment. Et si seulement je pouvais mettre la main sur le champignon d'or, je pourrais alors prouver mon vrai talent en cuisinant le plat ultime. J'ai déjà cet énorme pot et ce gigantesque poêle. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est le champignon d'or. Je maîtriserai l'art culinaire en plus grand rêve. Eh bah, j'ai le fameux champignon d'or. Cet éclat doré resplendissant, cette forme captivante, aucun doute n'est possible. Où diable as-tu pu le trouver? Oh, peu importe, après tout. Avec ce champignon, mon rêve va enfin pouvoir devenir réalité. Et donne-moi le champignon. D'ailleurs, que diable ferait un chien avec ce champignon? Oui, monsieur. Avec ce champignon, je vais tenter la préparation du plat ultime.
Hein? Oh oui, le Pale Team. J'étais tellement sous le coup de l'émotion lorsque le légendaire champion, blablabla. Et le grand poil pour ce jour, maintenant un moment est venu, je ne peux plus attendre. Aujourd'hui, le chef Yamineko va préparer le Pale Team. Maintenant, regarde bien, tu peux apprendre quelques trucs. Voilà. Spécialité de Yamaneko, la danse de la teaser de Flop. Hop, ils font tous que danser, hein, c'est terrible. What the fuck? Et j'ai pas de feu, moi. Je peux pas faire de feu, moi. Quoi? Le pot ne chauffe pas suffisamment. J'ai vraiment attisé fort, mais cela n'a pas fait bouillir. Peut-être pas suffisamment touillé. C'est pas la marque du dieu des flammes, Moegami. Est-ce que ce cuistot espérait dompter le pouvoir du feu pour chauffer le pot? Espérait-il vraiment que les Kami exauceraient ses prières égoïstes? Attends, mais... Je savais pas qu'on pouvait faire le signe de l'infini, ou alors je l'ai mal vu. Oh Amaterasu, Camille du soleil et de la lumière, mère de ce monde. Mon pouvoir a diminué durant ton absence, mais le zèle de cet homme et ton cœur pur l'ont restauré. D'accord, j'ai exploité ta ferveur pour te transmettre de nouveau un nouveau pouvoir. Relâche ta colère avec la puissance d'enfer sacré. Attends, mais c'est un power-up du pouvoir ou... Mon rêve le plus cher, le plus ultime est enfin prêt. L'éruption du riz ardent. Alors qu'en dis-tu? Tout impressionnant. Écoute, il est difficile de juger si bon d'un simple coup d'œil. Qui eût cru que tu trouverais le pouvoir de Moegami ici, hein? Te rappelle de la marque sur le mur? Dessine-la et tu peux invoquer le pouvoir de l'enfer quand tu veux. Six yeux pour réduire ces vieux monstres vicieux en cendres. Effectivement, je m'attendais pas à recevoir ce pouvoir ici. Peut-être que du coup, je devrais l'utiliser dans le temple. Il me manque toujours un arbre. Mais non, il y avait un coffre. Oh non, il y a un coffre que j'ai pas pris. Purée, quel boulet. Toujours un arbre, hein. Toujours un arbre que je n'ai pas... que je n'ai pas ramené. J'ignore lequel c'est.
C'est terrible, hein. C'est toujours quand il y en a plus qu'un que c'est la merde. Hein. Bah, tu veux pas mourir, toi? Ah bah non. Bon, par contre, ça m'a consommé masse encre. Hein. Où est-ce que je ne suis pas allé? Oh, je suis allé partout, hein. C'est terrible. Hein. C'est de retourner là-bas. Hein. Je pense qu'en fait cet endroit ne me sert plus à rien. C'est terrible, hein, ce dernier arbre, je ne sais pas où il est. Ouais, le papy, il a dû me... Ben non, non, enfin, je vois pas pourquoi le jeu se serait trompé en me disant que... Alors, pourtant, il y a son arbre ici... Il reste un arbre. Mais on sait jamais, hein. Bon, bah tant pis.
y a encore un trésor que j'ai pas fouillé, mais what the fuck? Ah, mais parce que... Attends, est-ce que c'est parce qu'il y avait les trésors de nuit et les trésors de jour? Si c'est le cas... Ils sont un peu arnaqués, quoi. Après, ça se trouve, peut-être que j'ai pas tout fini, hein. Peut-être que je... Peut-être que je me... Par contre, ça fait un sacré bout de temps que je tourne en rond dans cette ville, donc à un moment donné, je vais peut-être juste m'arrêter là. Hein. Non, évidemment que ça ne marche pas. Il y a lui qui a besoin. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que parce que comme je jette pas les gens, peut-être que ça perturbe le truc, hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Oh, le tourne. Ah, mais attends. Machin, ouais, je n'avais pas les... Ah mais attends. Après c'est peut-être juste pour l'XP, hein. C'est pas forcément ouf. Hein. What? Non mais du coup, est-ce qu'il va me dire qu'il y en a qu'un seul du coup qui manque? Change strictement rien.
Ah, je me sens beaucoup mieux. J'ai réalisé que cette brume lugubre était partie. Je pensais pas me rétablir si maintenant je peux enfin satisfaire mes ambitions. Sais-tu qui je suis? Je m'appelle Mazumi. Je suis un guerrier parcourant le pays pour parfaire mon art martial. En réalité, je dois juste abattre certains démons. J'ai noté le nom de ces monstres sur une liste spéciale. Je l'appelle la liste noire. Mais tous ce qui les attend. Une fois que j'aurai abattu tous ces monstres de malade, je pourrai enfin prétendre être un vrai guerrier. Tu veux voir ma liste noire? C'est impossible. Elle contient le nom des monstres les plus vicieux de cette région. Est-ce que c'est pas parce qu'on te l'a volé? Tu es têtu décidément, je t'ai dit que non. Même si je relâchais ma garde après une nuit trop arrosée, je ne quitterai pas cette liste des yeux, personne ne pourra la lire. Une nuit arrosée, il faudrait aller dans une taverne. Ah oui, bah oui, évidemment qu'il n'est plus là. Comme ça au moins c'est fait. Mince, c'était de l'autre côté. Oh mince. Oh, vite, vite, du coup, vite. Bon. Ça ne m'arrange pas plus que ça. Il n'y a plus rien. La boisson, c'est par où? Alors là, c'est le charpentier, c'est par ici. Je suis bourré complètement, peu importe. Quelle malchance. Continuez à souvenir ma vie. Je suis bourré complètement, peu importe.
J'avais réussi à économiser pour offrir un cadeau à ma petite poupée. Mais quelqu'un me l'a dérobé. Ah, quand même. Cette brosse en chrysanthème. Je suis fini, complètement fini. En chrysanthème ou en amaryllis araignée? Je ne serai jamais cette liste noire en humain. Lorsque j'aurai défait toute la racaille qui s'y trouve, alors mon voyage prendra fin. Tu veux voir ma liste noire? Bien sûr, jette un coup d'œil, ça ne mange pas de pain. Parfait. Oh bah d'accord, ok. Ok, donc là ça fait quand même beaucoup de gens qui se font voler. Est-ce que cette fois j'ai tout déclenché? Ça se trouve même pas, hein. C'est pas ce que je voulais. Mais non. Ah ouais, non, mais non, c'est mort. Ah non, mais s'il faut faire une truc deux fois pour chacun, c'est bon. Il manque un arbre. Un arbre il manque. C'est terrible, hein. Il y a toujours l'autre, on sait pas où il est. J'ai pas envie de faire 15 épisodes sur cette ville aussi. J'ai envie d'avancer. C'est ouf, hein. Il m'en manque un seul, hein. Mais ça se trouve, c'est peut-être là, hein. Peut-être que je m'étais pas aperçu qu'en fait il fallait que j'aille ici, hein, depuis le début. Et je trouverais ça un peu. On s'en fout de vous. Il doit y avoir eu des changements chez l'enfant. Et le mérite nous en revient, merci bien. Mais attends, et toi, pourquoi n'as-tu pas essayé d'aider l'enfant? Un pouvoir magique ne peut pas localiser l'origine de la brume.
Je le savais, toi et Nico prépariez un mauvais coup. C'est totalement faux. Je ne suis qu'une simple prêtresse, tu sais. Je ne peux pas fureter sans raison autour du palais impérial. Dans tous les cas, si tu as dissipé la brume, je te félicite. Bon, maintenant que ceci est résolu, occupons-nous du problème suivant. Tout ce que tu as fait jusqu'ici est incroyable. Cependant, le dragon des mers est un problème encore plus grand. Aucun navire de commerce ne peut passer. Les réserves de nourriture sont tout plus bas en ville, et le mal qui frappe notre pays attend son heure dans l'ombre. C'est le moment où nous en aurons besoin. Si seulement nous avions la peau du renard. Est-ce qu'il y aurait un arbre ici que j'aurais loupé, peut-être, éventuellement. Dans l'hypothèse improbable que ce soit le cas. Déjà, je loupe des coffres. Pardon. Ah non. Ok, j'ai cru que... Est-ce qu'il y a un arbre que j'aurais loupé? Tout hasard. Peut-être chez les gens. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Je n'ai pas d'excuses, je n'étais pas prêt et j'ai passé ma garde. Il est impensable d'avoir été ensorcelé en étant parlé. Je me sens humilié, j'ai couvert devant ma famille entière. Je dois me dévouer plus que jamais à ma tâche pour me rattraper. On dit que cet endroit était comme ensorcelé. C'était comme si je vivais un horrible cauchemar en permanence. C'était affreux, la péninsule de Ryushima noyée dans le mal. Rien que d'y songer, j'en suis pétrifié. Je dois juste me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve. Pourquoi venir dans un vieil endroit sinistre comme ci? C'est juste la salle des gardes du palais de la reine. Il n'y a rien d'intéressant pour toi ici. Si vous brûlez tout. Ok, il ne s'est rien passé. Les deux arbres sont ressuscités. J'y ai pas pensé, mais ça se trouve, il y a peut-être un arbre. C'est marrant qu'on n'ait pas eu le tigre alors qu'il y a beaucoup le signe du tigre ici.
Eh ben non, pas la moindre trace d'un arbre. Ceci est très frustrant. C'est pas grave, on va aller voir. On va voir d'autres personnes là. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'avais oublié qu'il fallait vous awarder la gueule.